Hey, salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 15 décembre, c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans et on se retrouve pour premier pas sur Rayman Origins. Alors oui, peut-être que certains se souviennent du fait que j'ai dit que je ferais une vidéo one shot, une vidéo où je joue un jeu entièrement. Et bien si vous le savez, je ne fais pas cette vidéo pour la simple mauvaise raison que j'ai eu trois coupures de courant le soir où le jour où je devais l'enregistrer et du coup je me suis retrouvé bien enculé. Voilà, ça c'est dit. Et donc en avant, n'est-ce pas? C'est parti. Et on va aujourd'hui, on va faire nos premiers pas sur Rayman. Sur Rayman. Et pourquoi Rayman? Eh bien, tout simplement parce que Rayman, ça pourrait, parce que Rayman, ça pourrait représenter un peu ce jeu dans votre enfance qui est tellement dur, mais qui vous donne tellement envie de le continuer, qui tout simplement vous donne le goût du challenge dans les jeux vidéo. Vous voyez? Et Rayman, il y a quelques années, s'est fait bouffer pour les lapins crétins. Et Ubisoft a eu la monstrueuse idée de faire un jeu de plateforme à l'ancienne, Rayman en 2D. Et voilà ce que ça donne, Rayman Origins. Alors nous ignorons au magnifique scénario. Apparemment la vieille était pas d'accord et on ronflait trop fort. La vieille en peut absolument plus. Et elle a réveillé tout le monde. D'accord. Avec une petite musique, c'est genre, il tape en rythme pour faire de la musique, quoi. Hein, ou Ned. Ou Ned. Et donc nous sommes en cage. Oh ben, bravo la cage. Hey, salut Ray. Ok. On s'est capable d'Electoons pour le retaper ce coup-ci. Ok. Et allons-y. Wow. Donc certains disent que ce jeu c'est the best jeu de plateforme ever. Alors certes, à ce qui paraît il est excellentissime. Mais je vous rappelle qu'il y a un an est sorti un autre jeu de plateforme excellentissime. Je le nomme Donkey Kong Country Returns. Donc tout le monde s'enflamme. Ouais, vraiment, je le souhaite. Mais personnellement, je aimais quand même des réserves. Ah oui, le mec, il émet des réserves sur Rayman. Ah le f*con. Bah oui. J'ai envie de vous dire, bah oui. Même temps, ce Donkey Kong Country Returns était tellement épique que j'aimerais que vous évitiez d'oublier quand même, parce que c'était quand même assez épique comme jeu de plateforme. Je peux pas taper encore, faut que je saute deux fois sur des ennemis comme ça. Boum. Boum. Aou. Bim. Bam. Boum. Au début du jeu, on est très limité par contre nos mouvements. Hop, hop. On peut pas taper ce machin. Voilà, on a libéré la fée. Donc je vais quand même vous appeler le nom. Vous allez me tuer, oui, bravo. Et donc on récupère le droit de foutre des claques. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est très beau. Il y a un style graphique très très beau. Après c'est de la HD, donc c'est magnifique. C'est un très beau dessin, il y a un très très beau dessin. C'est très coloré, c'est chouette.
Boum. Allez. Hop, on continue. Hop là. Hop, on les ramène. Boum. Allez, prends ça. Oh mais ce vieux trap, comment on est censé les choper ces conneries? Bon ok. Je l'ai eu mais... Tiens. Boum. Allez. Hop là. Salut. Et notre première cage avec Toons. Ouais. La photo. Avec le fameux magicien qui compte nos électrons. Yeah. Enfin nos... Enfin qui nous permet d'avoir plus d'électrons si on dépasse le nombre qu'il veut. Yeah. C'est métal. Ouh. Donc voilà, c'est bon, le sens ça va, c'est sympathique. Mais encore, je vous le dis, vous vous affolez là, genre, oh mon dieu, c'est the best game ever! Ouais, mais n'oubliez pas que Donkey Kong Country Returns. Ne l'oubliez pas, ce jeu. Donc pour l'instant, je préfère pas me prononcer, mais pour l'instant, il n'y a pas d'avis, vous voyez, c'est... Pour moi, je les mets sur un pied d'égalité. Je les mets pas encore sur un pied d'égalité. Failure. Fail. Oh, viens là toi. Boum. Allez, chute. Ok. Hop, réuni, venu, connu. Hop là. Salut la porte, ouvre-toi. Merde, il y avait un truc en dessous mais... Ah les salopards. Hop là. Hop, passage secret. Ah non. Seulement une pièce. Ugh. Hop, encore une pièce cachée. Boing. Salut. Boing. Ouais. Oh merde, raté. Ah, raté. Il y a un truc. Ah, débile. J'avais raté the most epic. Ah ok, y'a un mur. Et bim. Ta 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 ta. Oh yeah. Et des électrons en plus. Yes.
Donc ça c'est super maniable, comme dans la démo. Oh putain, j'avais oublié qu'il y ait ce truc de bouffer. Donc ça c'était le super bon point de ce Rayman, c'était la maniabilité à... à vous faire jalouser Mario. Merde. Comment on peut la récupérer celle-là? Ok. Hop. C'est bon, je l'ai. Hop là, par là les petits trucs. Hop, 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 allez. Merci. Et boum! Deux Electoons! Deux cages, je veux dire. Ah, pas loin. J'aurais presque pu avoir les deux Electoons bonus, mais. Je n'en aurais qu'un. Je pense que si je n'avais pas chié lamentablement. La madame, juste avant le passage où j'ai chopé l'étoile et compagnie, je pense que je l'aurais eu. Mais bref, c'est un jeu pour le, il faut le refaire pour terminer. Oh yeah! C'est quoi ça? Il en faut 25! Yeah, merde. La voix de la baffe. Excusez-moi, je bois un coup. Salut le magicien. Hop là. Yeah. Oui. Il y a quoi en dessous? Oh. Holy bam. Et là, coucou. Boum. Boum. Non. Olé. Oui, vous avez dit pas de Zelda et machin. Ah ouais, t'as dit que tu finirais Zelda, tu l'as toujours pas fini. C'est bon, hein, les mecs, commencez pas à péter les couilles. Hein, voilà. Commencez pas à me péter les couilles, j'ai envie de jouer à Rayman, donc j'y joue. Hein. Olé, olé, olé. Fail. Voilà, donc ouh, je crois qu'il y a un passage secret par là-bas. Ouh, ça passe, c'est gros comme une maison quand même. Hop, hop. Alors, est-ce que je peux m'y rendre? Ah non, il m'explique que par là-bas. Bon, tant pis, je reviendrai plus tard. Boum, hey, salut. Hop, hop. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas. Ouh, je n'abandonne pas Zelda, je n'abandonne pas, je n'abandonne rien du tout, mais. C'est juste que c'est mon anniversaire, donc allez vous faire foutre hein, si vous êtes pas content. Eh oh. Je vois pas en quoi. Oh, là-bas il y a un truc. Hop là, hop là. Yop, 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 yop. Bom bom bam. Ça pue le traquenard ces fleurs quand même. Tu
J'ai cru d'ailleurs un truc caché tout là-haut parce que c'était pas normal qu'on ait une autre aussi grosse profondeur de champ. Oh, là y'a un cœur. Oh yeah. Boom. Oups. Ça c'est un fail. Allez. Wouh. Ah, ça fait deux fois que je me fais ici. Hein. Allez, Boum, touché. Salut. Hop, hop, howl. Boum. Et boum. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tadadam. Ah, la fin du niveau. Oh. Boum. Bah dis donc, j'aurais pas récupéré beaucoup d'électoons dans ce niveau, faudrait que j'y retourne. Bon oui, comme d'hab, là, je vous fais ça vite. Hein. Je fais ça vite parce que... Bah parce que j'ai envie de vous proposer une vidéo pour mon anniversaire et que... Après il faut genre que je retourne tourner peut-être une Zelda, que je prépare quelques vidéos d'autres jeux, tout ça, bref. Donc j'avoue que là je rush un peu le jeu, mais vous inquiétez pas que ce jeu, quand je serai en vacances genre cet été, je vais tellement le bouffer tout cru. Et je pense que je vous reviendrai peut-être dessus un jour. Dans le cas où le jour où je serai bien bien avancé, histoire que je vous dise mon point de vue. Parce que là, autant je suis pas... Je préfère pas me prononcer, mais c'est vrai que tout le monde dit que c'est THE EPIC GAME OF THE YEAR, que c'est THE BEST JEU DE PLATEFORME EVER. Je l'ai eu juste quand même. Mais voilà, moi il y a eu the best game of the year, Skyrim, désolé les gens. Il n'y a même pas à réfléchir pour moi, ce jeu, je pas beaucoup d'heures dessus, je m'éclate comme un petit fou, je passe mon temps dessus. Je passe du temps où je devrais passer, ben, je sais pas, je passe trop de temps dessus, c'est vrai. Hop. Donc même si j'adore Rayman, voilà, je veux bien, mais il y a un moment, faut pas déconner. Et après, comme je vous dis, the best game de plateforme ever, je vous rappelle qu'il y a eu Donkey Kong Country Returns, qui était une perle. Donc, pour l'instant, je ne me prononce pas pour savoir, pour vous dire lequel j'ai le plus apprécié, mais je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Vous aurez mon avis un jour, sûrement, peut-être. En tout cas, c'est super bon, c'est super bon, vraiment, hein, c'est super jouable, c'est nickel, hein, disons. Ils ont pas chié leur coup, Ubisoft. Oh là là, j'ai pas mal géré là quand même. Boum! Allez, tais-toi, meuf. Ils ont géré leur coup, c'est un bon gros jeu de plateforme 2D, je kiffe. C'est bon, c'est maniable. C'est petits oignons, moi je vous dis. Ça sent le jeu fait avec beaucoup de passion. En plus, un héros français qui revient sur le devant de la scène, les gens. Rayman est un héros français, au cas où vous auriez oublié. Il a été créé par un français, n'est-ce pas? Si vous l'aviez oublié. Si vous l'avez oublié. Donc ce jeu, c'est encore plus épique. Parce que c'est quand même le retour d'un héros qui s'est fait bouffer par des lapins. Des lapins.
des lapins. Hop là. Boum, bam, boum. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Si j'ose pas me prononcer, c'est juste parce que... Faites se savoir, je ne doute pas qu'il va y avoir des niveaux qui vont augmenter la difficulté, parce que là, c'est quand même assez facile. Et donc, comme construit, son intérêt, c'est justement tout ce qui est mode chrono, tout ce qui est... truc dans le style, vous voyez. Donc, je me prononce pas encore, parce que je n'ai pas encore vu le challenge de ce Rayman, n'est-ce pas? Sachant que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est grâce au Rayman que j'ai découvert le challenge. Donc, autant pour vous dire que je m'attends à un gros truc, là. Hop là. Parce que, Dieu sait que le premier Rayman sur PS1, c'était d'une difficulté ahurissante. C'était tellement dur. Mais c'est à cause de Rayman que j'aime les jeux à difficulté, parce que c'est un jeu... Ben, je sais pas, moi, il m'a pris au trip. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire, moi, à part ça, c'est que Rayman, c'est Rayman 1 sur PS1, c'est le jeu qui m'a fait découvrir la difficulté. C'est grâce à ce jeu, Rayman 1, que j'aime la difficulté, que j'aime les jeux à défi. Donc j'avoue que j'attends beaucoup de difficultés de ce Rayman, et j'espère que ce sera bien masochiste. Oh yeah, je vais avoir deux Electoon supplémentaires. Oh yeah! En tout cas, ce jeu est excellent. Ce jeu est très très bon. Excellent, j'ose même sortir le mot excellent. C'est méga maniable, les gens. J'ai vraiment l'impression que j'ai Rayman. Que je le contrôle par la pensée, tellement c'est bien jouable, quoi. Vous rendez pas compte, hein. Et en 2 ans, hein, on a eu deux jeux de plateforme monstres, enfin en deux. Est-ce que Super Mario Galaxy 2 est sorti l'an dernier? J'ai un doute. Mais si c'est le cas, ils nous ont sorti 3 jeux de plateforme monstrueux en 2 ans. Ils nous sortent ce Rayman là, mais ce Rayman, mais vraiment, si la difficulté va en crescendo et qu'on commence à avoir du challenge à partir d'un moment, avec cette maniabilité, ça va être merveilleux, parce que s'ils ont fait des défis au niveau de l'accessibilité de la maniabilité, et donc oui, c'est faire comme, c'est en fait ce qui était excellentissime dans genre Donkey Kong Country, c'était ça faisait très l'optique Blizzard, easy to comment il dit. Easy to play, hard to master, un truc comme ça, c'est. Et bien c'est exactement ça dans Donkey Kong Country, c'est que vous avez tout au début, et bien ensuite il y a une technique qui est le super saut qu'il faut apprendre à maîtriser, et c'est pas si simple que ça, et une fois que vous le maîtrisez, c'est bon, quoi, c'est. Vous avez la clé de la victoire. Et bien là j'espère que ce sera du même niveau pour Rayman Origins, j'espère qu'on va avoir. Ouh, un petit truc là. J'espère qu'on va avoir. Un challenge digne de montrer que vous savez maîtriser votre personnage. Bref, j'espère. Voilà, j'espère qu'il y aura du défi, quoi. On peut résumer ça comme ça. Et je pense qu'il y en aura, parce que s'ils ont fait vraiment un jeu au niveau de Rayman 1, franchement, niveau difficulté, on va être super servi, les mecs. Et mesdames. Parce que, ouais, je dis les mecs, mais. Beaucoup, c'est pas une. Jamais. Voilà, quoi. Il y a peut-être des filles qui regarderont. D'ailleurs, moi je m'y intéresse, mais je me demande combien de pourcentage de mon public est féminin. En tout cas, que vous soyez un mec, une fille ou quoi que ce soit d'autre, je sais pas, un hybride, bref, ce que vous voulez. Allez-y, franchement, ce jeu m'est foncé les yeux fermés. Je sais même pas si ça existe, un hybride. Non, ça existe pas, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Depuis quand un homme c'est hybride, ça peut pas être un homme et une femme.
Lol, je raconte que de la merde. What? Le truc qui va me bouffer. Raté. Raté nul. Hop là. Parce que là, je suis d'accord qu'on est dans les premiers niveaux du jeu, donc c'est plutôt facile, mais c'est... Bon, mon Rayman me répond au doigt et à l'œil, là, oui. Puis le jeu est beau, attendez, c'est de la HD, hein. C'est super beau. On nous sort une petite perle. Je me suis chié. Yeah. Holy, holy, holy. Fail. Boom. Ok, y'a rien de caché ici. Hop là, on continue. Boom. Et boom. Hop là. Et boum, headshot. J'adore le style graphique de ce jeu. C'est très très joli. Oui, et deux électrons de plus. Yeah. C'est bon ça. Yeah, 2, 4 lectoons. Yeah, c'est métal. Ouais, oui, 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 je n'ai raté tellement. Je n'ai encore raté tellement. Oh! Je crois que je me suis un peu chié là-bas. Par contre, je pense que j'aurais pas les. Les Electoon bonus. Et non. Je ne les aurais pas. En même temps, je me suis tellement chié. À la croisée des rêves, donc je sais pas ce que c'est que ce niveau, mais et au mosquito, yeah, avec le niveau avec le moustique. Attrapez les tous Pokémon, pardon.
Merde, j'ai raté deux. Ah, j'ai raté deux looms. Je te meurs. Coucou. Toupidoupidou. Yeah. C'est bien parce que c'est vraiment le bestiaire du premier Rayman quoi. Merde. Je sens que je vais aimer ce boss. Merde, coucou. Ok. Oh yeah. Da-da-dum-da-dum. Oh yeah. Photo. Oh, j'étais presque à avoir la médaille. Ah, deg. Il manquait. J'en ai raté. J'ai pas un moment où j'ai raté un qui en valait deux, justement. Ah, le grand dégoûté de la vie. Oh, yeah. Toum, padam, boum, padam, boum, padam, boum, padam, boum, padam, boum, 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 boum. Badoum, boum, badoum, badoum. Oh yeah. Donc on tourne à l'arbre en fleur. À l'arbre en fleur, blablabla. Rayman bleu, Clubbox rouge, je ne sais plus ton nom, et... D'autres donnent la mort. Ok. Rayman, Globox et les deux petits. Hop, Globox normal. Oh, Rayman! Bref, vous savez quoi? Je vais vous laisser là. Je vais juste ajouter une petite chose. C'est que plutôt que d'acheter vos Call of de merde là, hein, vos Call of Modern Warfare 3 qui en fait c'est que Call of Duty Modern Warfare 2 version 2,
Eh bien, achetez Rayman Origins, qui a un score de vente qui est pas génial, malheureusement pour ce jeu, qui le vaut vraiment. Parce que je vous le dis, dans la main, la manette, c'est un jeu où vous ne pouvez vous en rendre qu'à vous-même, la manette vous obéit. Enfin, le Rayman vous obéit, il obéit complètement à la demi-seconde près à votre manette. C'est un jeu à gameplay monstrueux. Je sais pas, moi, je vais le continuer là pendant que vous serez là. Ah, machin chouette, mais pour acheter ce jeu, si vous avez un cadeau à offrir à Noël, arrêtez de réfléchir. Si vous avez un garçon, un ado, quoi que ce soit, si vous voulez lui faire découvrir le jeu de plateforme, achetez-lui Rayman. Achetez-lui un héros français, en plus. Vous vous rendez pas compte? Non seulement vous avez le droit à une perle technique, parce que le gameplay est magnifique, les graphismes, je pense que ça se voit, ils sont bien faits, ils sont magnifiques, ils sont complètement dans le style. Et en plus, c'est français les gens. Vous voulez vraiment que la création française se casse la gueule? Je vous rappelle que la suite de ce jeu, il y a un Beyond Good, il y a un Beyond Good and Evil 2 qui nous attend les gens. Et je sais pas si vous avez joué au premier BGE, mais c'était un Zelda-like qui était au même niveau que le Zelda. Pour moi, BGE 1, il est au niveau de Ocarina of Time. Alors, vous voyez ce qu'Ubi nous a fait avec Rayman. S'ils arrivent avec Jade à nous faire un Zelda Skyward Sword, mais les gens, achetez ce jeu. Hein. Vraiment. Hein. Non seulement vous ferez une bonne action parce que vous aiderez les jeux français, vous ferez une bonne action pour celui à qui vous l'offrez ou pour vous, car vous jouez un jeu super maniable. Et en plus, vous permettrez de profiter d'une suite d'un jeu mythique. Bref, au lieu d'acheter un Call of Duty de merde là, où c'est juste pareil et qu'on change trois trucs et il y a toute la communauté qui est là en train de chouiner, achetez Rayman. Ciao les gens, c'était la vidéo spéciale pour mes 18 ans. Et n'oubliez pas, achetez Rayman. Allez, ciao les gens.